Hi, my name is Joel. When we are sea kayaking, it's really important to realize our weaknesses. This video is about learning Greenland roll. The masters, Pascal and Jean, have 10 years of experience and are always happy to transfer their knowledge. Meeting was on a Saturday morning and it was raining. As we say in Brittany, we get the four seasons in the same day. Very quickly, we had a beautiful weather. Jean starts the day by a muscle warm-up and a few stretch movements to improve our flexibility. Le problème de la rotation de la souplesse. Bon, un bon échauffement en principe, on a pour 20 minutes quoi. Mais bon, on va peut-être. Pascal informs us that before jumping in the kayak, basic movements are explained. Donc au départ cette position là. Ensuite on bascule sur le côté. Mouvement de poignet comme ceci. Et là, j'ai menton rentré, le dos courbé comme ça, je vais faire l'inverse. Donc là, au début, quand tu... Donc là, je vais actionner cette jambe-là pour redresser le kayak. Et hop, voilà, tu mets comme ça, voilà. Et après, tout comme ça, voilà. Donc tu tombes par ici. Je tombe par là. Enfin, tu tombes par là parce que, en fait, théoriquement, tu vas te retourner. C'est-à-dire que tu vas passer sous le bateau. Quand on débute, on est tous comme ça. C'est instinctif. Comme j'ai de l'arthrose dans la... Le cou, là je me voilà. Continue à regarder bien en arrière et tu pivotes. Bien. Voilà. Et ensuite, on revient. Hop. As I said, the training is done with the Greenland paddle. Démarrer, on va le prendre comme ça. Donc, les mains sur une largeur d'épaule et donc comme je disais tout à l'heure, on met les poignets comme ceci, le corps en avant, je bascule, donc là je vais avoir la pagaie donc le long du bateau, je vais pivoter mes poignets comme ceci pour que ma pagaie soit à la surface de l'eau, donc épaule à plat et ensuite je me redresse. Donc la pagaie, on doit la voir en fait à la surface de l'eau faire ce mouvement de rotation. Comme je disais tout à l'heure, le fait de la caler au niveau de la poitrine, hyper important, parce que quand vous allez lever, notamment si vous levez le bras extérieur, ben votre pagaie, vous voyez qu'elle va plonger. Sur les corps, genoux, le corps en avant. Voilà. Et alors là, c'est là où... Les épaules à plat. La pagaie. La pagaie ça. Et là. Alors là, c'est disant, je redresse le kayak. La pose sur ta poitrine. Bien perpendiculaire à toi. C'est quoi son bras droit? C'est celui-là en fait. Il faut que... Attends, bouge pas. Il faut qu'elle soit là comme ça et tu regardes derrière toi. Et là maintenant tu tournes. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Ouais, là c'est pas mal. En fait, il faut mettre ta pagaie comme ça. Voilà, vert. Il faut qu'elle soit comme ça quand tu es de l'autre côté du bateau. Là.
Je n'ai rien à dire. Imaginez que la théorie est celle-là. Tu veux essayer? Now, jumping in the kayak, but still not in the water. Attends, je vais... Alors, hop. Donc là, il faut penser aux petits mouvements. Ensuite, approcher la pagaie de la poitrine. Je suis bien à plat. Enfin, j'essaye d'être bien à plat. Voilà. Allez, hop, voilà. Je sens. Donc on ne se sert pas des cale-pieds. Hein. Bah, ça dépend après si tu es serré ou pas. Alors, comme ça. Allez, voilà. C'est moins que Paul. Voilà, voilà. Voilà. Les yeux, regarde la tête bien en arrière. Ah voilà. C'est bien le. C'est bien. Gilles. Voilà. Ton petit mouvement, voilà. La tête bien en arrière. Voilà. Voilà, magnifique. We had our quick lunch and now everybody is excited to go to our spot. How many seconds or minutes can you do this movement? Beautiful ballet on the water with Jean and Pascal. Position de départ. Les épaules. Dans le du kayak. La pagaie. Le long du kayak. Les poignets. Comme ceci. Le corps se charge d'avant. Regardez bien. Regardez bien le. Une fois que le kayak va basculer complètement. La pagaie le long du kayak. Donc je mets les poignets comme ça pour que la pagaie soit à la surface de l'eau. Regardez bien le mouvement du corps sous l'eau. Je vais vous faire dans l'autre sens pour que vous voyez mieux. First exercise, the balance brace with a floatable device.
haut. Là, tu peux mettre sur l'arrière. Je me laisse glisser. Cette main-là, sous le kayak. Là, je peux même appuyer un peu pour m'éloigner un peu du kayak. Et là, j'essaie de trouver la position de pied. Donc, pour remonter, le corps bien à plat, la tête bien en arrière. Ta main, tu peux la mettre dessus, là, au corps, voilà. Voilà. Alors essaye de redresser le bateau avec tes jambes, en restant dans l'eau. Bravo, c'est bien. Impeccable. Bravo Gilles. À l'aise. Ça sent le dos, c'est une horreur. On passe à l'exercice suivant, d'accord. On va passer à l'exercice suivant. On va être un peu après 90. Et un peu plus. Allez, 110. This is where it gets more difficult and not to sink. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, cette main-là, je vais la mettre sur le Vlamatak pour couler. Et je reviens dans la position initiale. Dans la position initiale, c'est à nouveau les deux épaules bien à plat sur l'eau. Donc ne pas oublier la jambe pour contrôler la tête du kayak. La tête bien en arrière. Allez, je souris. Oh, mais à l'envers, on dirait que tu râles. T'as pas redressé le bateau. Eh ouais. Assure-toi, tu ne vois pas un revêtement. Ouais. Voilà, voilà. C'est bien se déployer. Voilà, c'est bien. C'est bien. Ouais. Vois que si tu laisses ta main. Bravo. Ouais, je t'ai oublié. Tu vas pas assez sur la banque.
que s'il ne va pas assez sur l'avant, il ne peut pas se déployer, il ne se redéploie pas bien sur l'arrière. Il faut aller bien sur l'avant, bien loin sur l'avant. Mais il faut pas faire... Sculling is a very relaxing movement when it's done properly. Restez dormir. Position là, tu vois que le bas du corps est dans le caillou. Si tu es... Voilà, c'est bien. Balaye, 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 balaye. Continue, 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 continue. Ta main gauche, elle descend, elle descend, elle descend. Ta main gauche est arrivée en bas. C'est bon ? Non. Comme ça ? Mais tu verras sur la vidéo. Demain. Garde ta main de la porte. Ouais, comme ça. And finally, the movement that everybody is expecting to realize today. Good luck. On prend. Donc je prends la position de départ. Et là, je ne vais pas faire un tour complet. Je vais juste me basculer dans l'eau pour initier le mouvement. Donc position de départ, et là je vais me basculer en arrière. Je le refais. Ben, il a passé sous l'eau. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Pascal and Jean gave us the tools. Now it's up to you to practice.